Parce que les leaders qui ont organisé ces manifestations ne sont pas là. Ils sont 11 abonnés absents. Vous avez quelque chose à dire? Quelqu'un veut dire? Vous êtes sur ML Congo TV, un site congolais. Si vous avez quelque chose à dire, pour internet, vous pouvez intervenir. Il a vu, non, il a vu qu'ils vont nous gazer. Il nous a dit de disperser. Non, Bonjour. Je suis Amel Komo TV, vous avez quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. En fait, nous sommes présents, en fait, moi j'aime la Côte d'Ivoire, en fait, mais noir d'origine. Et nous sommes là ce matin, en fait, pour dénoncer, en fait, ce qui se passe en Libye. Nous ne pouvons pas concevoir qu'à cette époque, le noir est encore choisifié, le noir est vendu, il est tenu en esclavage. Et nous sommes là avec toutes les communautés noires, et vraiment pour manifester de façon pacifique toute la diaspora. Et je pense que l'appel a été prompt. Et nous sommes là pour crier notre ras-le-bol. Et voilà, nous allons aller jusqu'au bout. La marche, je rectifie ou bien j'aimerais signifier qu'elle a été très pacifique. Mais là, on constate que les policiers sont en train de nous gazer. Mais là, on a l'impression qu'ils viennent pousser à bout. Nous disons non pour notre dignité. Merci. Un mot pour le président de l'Union africaine. Ça compte juste en face sur l'hôtel. Alors ce que je voulais dire, madame, cela va vous surprendre, mais si nous voulons compter sur les chefs d'État africains, je pense que nous n'allons pas arracher notre liberté. La liberté, elle s'arrache. Je dis bien, elle s'arrache, elle ne s'acquiert pas. Et donc, nous en foutons de lui, nous savons que ce sont des personnes qui sont très vendues, des personnes qui protègent leurs intérêts. Et nous la population, la population civile, nous allons venir arracher notre dignité, nous allons arracher notre honneur. Nous en foutons de quel que soit du président, que ce soit, on s'en fout. Mais vraiment, nous venons ici pour manifester notre mécontentement. Et je pense que nous serons entendus par toute la communauté nationale et internationale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et votre nom, monsieur? C'est M. Liati Girola. Vous étiez sur ML Congo TV. Okay, merci. Merci. Libérez. Libérez l'Afrique. Libérez l'Afrique. Abonnez si Alpha Condé. Il est dans l'hôtel ici. Voilà, il est en train de déjeuner tranquillement. Il est là. Il est en train de déjeuner tranquillement ici. Merci Alpha Condé. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Baldé Momadou. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est la jeunesse africaine, de par le monde, la diaspora africaine. On se rappelle qu'il y a un bon moment, quand on subissait l'esclavage, le colonialisme, ce sont nos grands-pères qui se sont levés pour combattre l'esclavage. Aujourd'hui, c'est notre tour de léguer à nos générations futures un monde libre dans lequel on peut vivre, où on peut être fier d'être noir. Être noir n'est pas un handicap.
honte aux dirigeants africains qui sont en train de ternir l'image de l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais où sont-ils, ces dirigeants africains ? Il n'y a personne, il n'y a personne avec nous. Alpha Condé est en train de déjeuner juste. Hôtel Raphaël 5 étoiles. On va lancer un message à M. Alpha Condé, président de l'Union africaine, le supposé panafricaniste, qui dit qu'il veut se défaire des chaînes de l'Occident. Mais voilà, il est où là? La jeunesse africaine est en train de marcher. Monsieur Alpha Condé pouvait sortir au moins pour dire bravo, ou alors encourager les jeunes gens, ou alors les calmer, ne serait-ce que ça. Mais le gars se terre dans son hôtel et c'est pas sérieux. Et c'est en même temps tous les chefs d'État africains, cette supposée Union africaine, la CEDEAO. Je vous dis une chose, l'esclavage encore sévit en Mauritanie, là tout près du Sénégal. Légalisé même. Légalisé. Et ça n'émeut personne. Alors je dis bravo à la jeunesse africaine, je dis bravo à tous les Africains, d'où qu'ils soient, je sais pas où, mais voilà, tous les Noirs, on a fait une très belle démonstration ce soir de ce qu'on pouvait faire, et voilà, je crois que le monde entier prendra conscience que l'Afrique ne se fera plus marcher sur les pieds, et que nous sommes suffisamment responsables pour prendre notre destin en main, c'est tout. C'est tout ce que nous réclamons, être libre, et de dire ce qu'on a envie de dire. Voilà, là on ne marche pas, on ne casse pas, là on ne fait que marcher et protester. Ben voilà, on a des flics de part et d'autre, on est pris en étau. Voilà pourquoi. Les autres ont le droit de marcher, mais nous on n'a pas le droit de marcher, c'est pas normal. C'est pas normal. Bravo encore à Claudicia et bravo à la jeunesse africaine. Merci beaucoup. Et votre nom, monsieur ? Moi c'est Romika. Romika. C'est assez. La marque, c'est assez. C'est grand pour nous les Africains. Et c'est réconciliation, c'est comprendre. C'est nous les finis. Si c'est fini, c'est fini. Qu'elle est libérée l'Afrique. Regardez la situation au Maroc. C'est pas possible. Vous avez vu ce qu'ils font ? C'est sur ML comme on s'y vit. Bon, enchanté. Bon, ils sont en train de nous gazer, donc on va devoir bouger. Michel, dépêche-toi. Alors, une prochaine fois, on aura l'occasion de discuter, parce qu'il y aura d'autres manifestations. En tout cas, je remercie Claudicia. Oui. Voilà, parce que c'est lui qui est à l'origine de cette manifestation-là. De cet appel. On a suivi, ça a été suivi dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et quand est-ce qu'on pourra voir ça, en fait ? Sur le ML comme on s'y vit, sur YouTube. ML, donc, par contre, vous allez montrer ça aujourd'hui? Oui, oui. Non, c'est soir ou... Ce soir. C'est une chaîne, ils vont monter la vidéo, après ils vont balancer. Ils vont balancer, c'est ML Congo TV. ML Congo TV. Vous vous abonnez, donc voilà. Oh là là, ça casse. Ah oui. Non. Ils ont tellement cassé. Donc il y a des gaz qui tombent là. On peut pas, nous. Donc c'est chaud. Vive l'Occident, vive l'Occident.
de la complicité. Merci. C'est ça, on est venu faire ça, non? On est venu marcher. Comme quoi, une petite tâche qu'on est venu. On va aller.